Hello, j'espère que vous allez bien. On est samedi 4 juin et aujourd'hui les bouclettes sont de sortie. Alors j'ai rien fait de spécial, hein. C'est juste que bon, derrière j'ai des mèches qui sortent tout le temps et il suffit que je les humidifie et ça fait ça d'office. Et là, bah, ce matin, je me suis juste amusée à sortir des petites mèches là en faisant comme ça, vous savez, là quand on veut mettre ses petits cheveux devant. Je les ai mouillées et voilà, quand je les mouille, ça fait ça tout seul. Je n'ai rien à faire, là pareil. Ça fait ça tout seul. Je trouve ça mimi. Je trouve ça mimi. Voilà. C'était nul, hein. C'était nul. Je venais parce que je voulais vous dire un truc l'autre jour et j'ai oublié. Là, il va faire un de ces orages de malade. Je parle avant la pluie et avant qu'il fasse vraiment tout noir. Je voulais vous montrer deux choses la dernière fois que je suis venue vous parler et j'ai oublié. La première, c'est que j'ai fait un achat sur Vinted et je suis assez contente. J'ai acheté ce sac de chez Rive Droite. Alors visiblement c'est, je trouve qu'il est lourd, c'est chelou, mais il est vide. C'est Rive Droite avec Lily Barbery. Je ne sais pas qui est Lily Barbery, peut-être suis-je un culte, mais voilà, c'est un sac un peu bon, qui peut faire sac de voyage, sac de ce qu'on veut. Voilà, c'est typiquement un sac assez pratique. J'aime bien ce genre de sac, ce format. On peut mettre pas mal de trucs dedans. Alors c'est plus grand qu'un sac à main, hein. C'est un peu un sac bowling. Voilà, enfin, j'aime beaucoup. Et c'est de la marque Rive Droite, qui est une marque de textile. Je crois qu'ils font que de la bagagerie. Ah non, peut-être des vêtements, je sais pas. Éthique et française. Donc ça, c'est vraiment cool. Et sur Vinted, bah, du coup, je l'ai trouvé moins cher. Vous pouvez aller voir hein, la marque Rive Droite. Il y a souvent des choses sur Vinted. Et le deuxième truc que je n'ai pas acheté d'occasion, que j'ai acheté plein pot, c'est je voulais une banane. J'ai cédé à la tentation des bananes en trouvant ça très longtemps moche. Puis beaucoup trop de Jones pour moi qui est 35 ans, je suis une vieille, qu'est-ce que je vais aller porter une banane. Et puis je trouve ça hyper pratique en vrai. Donc j'en ai acheté une chez In Bag. Alors j'aurais pu acheter chez Rive Droite parce qu'ils en vendent aussi, il n'y en avait pas sur Vinted mais il y en a sur leur site. Et j'ai opté pour une de chez In Bag parce que j'ai beaucoup aimé le fait qu'il y ait une poche devant et une poche derrière, chose qu'il n'y a pas sur celle de In Bag. Et du coup moi qui ai tendance à toujours avoir des petits flacons de CBD, tout ça, des petits machins, j'aime bien avoir des petites poches. Par contre je suis assez déçue de la couleur. Donc oui, c'est In Bag, c'est aussi une marque de bagagerie, etc. Éthique et française. Donc c'est en toile, c'est ce que je voulais, mais je suis assez déçue de la couleur. Je pensais que c'était un... En fait, ça tire, vous voyez, c'est un marron qui... Alors vous, j'ai l'impression que vous voyez plus orange qu'il n'est dans la réalité. C'est un marron que je voyais plus caramel, plus orange, plus caramel, plus voilà. Et en vrai, il est, je sais pas, terre, court de tennis, vous voyez un peu. Je suis pas super fan, j'aurais dû prendre la verso... Je voulais pas prendre la rose pour avoir un truc un peu portable pendant toutes les saisons. La verso, j'ai beaucoup hésité, au final j'aurais dû prendre la verso, après j'ai pas renvoyé, pourquoi? Parce que c'était assez compliqué, les frais de renvoi étaient à la charge du client, là j'avais une réduction parce que c'était ma première commande, mais si j'avais renvoyé j'aurais pas eu la réduction pour acheter la deuxième suivante, enfin bref, du coup je l'ai gardée, elle est pas mal, hein, je m'en sers, mais c'est vrai que la couleur, je sais pas ce que vous en pensez, je suis pas super super fan. Je la voyais plus orange caramel que... Alors, je vais dire ça de manière peu ragoûtante, mais je trouve que ça fait un peu couleur chiasse. Voilà. Je la voyais plus caramel, en fait. C'est surtout ça que je la voyais plus caramel, mais c'est pas grave. Ça va le faire. Hein. Ça s'adapte à peu près à toutes les saisons. Voilà. Donc, c'est ça que je voulais montrer. Mes deux petits achats textiles éthiques, c'est assez rare pour être signalé. Donc je vous recommande ces deux marques, hein. Franchement je suis très contente de la taille de la banane, de la des fermetures, des finitions, enfin tout, c'est vraiment, c'est juste la couleur à moi qui me dérange un peu, mais c'est de ma faute, c'est moi qui choisis cette couleur là. Et d'ailleurs j'hésite à m'en prendre une deuxième plus grande pour quand j'ai plus de choses à transporter, il y a, oula il y a des éclairs, il y a Ballot Bag qui fait des grandes bananes, vraiment grandes, genre... Je pense qu'il y a bien 10 cm de plus en longueur et peut-être au moins 5 cm de plus en hauteur. Mais j'ai peur que ce soit trop grand en fait et que ça fasse vraiment gros machin qui pendouille devant, déjà que j'ai un gros ventre. Si en plus je rajoute un truc devant, j'ai de la poitrine aussi. Donc voilà, j'hésite, je ne sais pas si je craquerai un jour ou pas. Hello, j'espère que vous allez bien. On est mercredi 8 juin. Et je viens de me faire un petit masque aux poudres, regardez-moi cette texture fort sympathique que je vais aller m'appliquer de ce pas. Alors je ne vais pas vous dire en détail ce qu'il y a dedans parce que je prépare une vidéo YouTube,
Donc vous aurez ça en vidéo bientôt, toute la routine entière. Et avant ça, je vais me couper les cheveux. Je vais les mesurer puis me couper les cheveux puisque ça fait un bout de temps que je repousse ça. J'avais dit que je couperais 5 cm, donc je vais couper 5 cm. A tout de suite. Bon voilà, j'ai mesuré mes cheveux. Alors là, ils sont bien grands, mais je vais aller m'appliquer le masque. J'ai mesuré mes cheveux, on était entre 122, 123, 124 cm, ça dépend des mèches, comme vous savez que voilà, mesurer tout seul c'est assez approximatif. J'ai coupé 5 cm, plus ou moins. Alors là, vous voyez qu'il y a un cheveu plus long. Franchement, je me suis pas arrêtée là-dessus, je m'en fiche un peu. Je vous ai filmé ça. Après, voilà, si vous voulez vous couper les cheveux tout seul, que vous avez les cheveux longs, éventuellement un peu texturé ou du moins qui ont du mouvement et que vous n'êtes pas hyper à cheval sur avoir des cheveux super lisses avec une coupe ultra droite, ça marche très très bien. Si vous voulez un dégradé, une coupe ultra droite, machin, il faut aller chez le coiffeur. Moi clairement, vu ma longueur et vu le mouvement de mes cheveux, le fait que ce soit pas ultra droit, je m'en fiche un peu. Puis vous voyez la quantité de pointes que j'ai coupé, quoi. C'est des queues de rats en fait que j'ai coupé, donc ça se verra à peine. Là j'ai coupé 5 cm, je recouperai 5 cm à la fin de l'été. Ça me permettra quand même d'assainir les pointes et je veux pas couper plus parce que du coup si je coupe plus, ça mangera trop sur la longueur que j'ai prise en un an, puis ça fait un an que j'ai pas coupé. Donc je me dis voilà, je vais essayer peut-être à partir de maintenant, mais ça fait combien de fois je dis ça et que je le fais pas, d'essayer de couper 5 cm tous les 6 mois. Peut-être que je vais y arriver, peut-être pas. Souvent, j'y pense pas, machin. Là, voilà, j'ai coupé ça. Ça mesure environ 5 cm, hormis ce bout de cheveux là qui dépasse, je sais pas trop. Voilà, j'ai fait la technique des couettes. Je vous ai filmé ça. Et ma foi, c'est très bien. Et j'ai mis du beurre de karité dessus. C'est du beurre de karité que la voisine de mes parents avait ramené du Bénin, puisque sa fille y habite. Et voilà, je mets toujours un corps très gras sur les pointes quand je viens de les couper, pour qu'elle se renforce, qu'elle se gaine et tout. Et là, eh ben, je vais aller m'appliquer mon masque aux poudres. Un peu plus tard dans la journée. On est encore très près, vous et moi, mais... voilà. Je ne sais même plus si je vous ai montré que j'avais coupé mes cheveux. Et là, j'ai oublié de vous montrer, j'ai appliqué un masque... j'ai rincé mon masque aux poudres, puis j'ai appliqué le masque Cut by Fred. J'ai oublié de vous le ramener, mais vous l'aurez en description. C'est un masque que j'aime beaucoup beaucoup, qui est très bien et qui je pense peut convenir à absolument tous les types de cheveux. Il suffit juste d'adapter la quantité que l'on met. Donc là j'ai posé ça pour 15 minutes et ensuite je vais juste rincer et je vais faire la suite de ma routine de coiffage. J'ai filmé, ça m'a pris beaucoup de temps puisque j'ai commencé je crois ce matin à faire le masque, il était un truc genre 9h30 et là il est 14h. Voilà, mais ouais par là. Bref, donc voilà. Ça m'aura pris la journée, je le sais, quand je veux filmer les routines, ça prend beaucoup de temps. Mais c'est comme ça. Et en plus, j'ai fait des plans pour des reels qui sont pas terribles, mais là, je suis en mode flemme. Voilà. Bon, allez, je vous laisse. Et on se retrouve peut-être plus tard pour le résultat des cheveux. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve. Je suis coiffée n'importe comment, mais on est en fin de journée, il est 20h. On est quel jour? On est jeudi 9 juin. L'angle est assez chelou, mais en fait, si je me mettais complètement comme ça, vous aviez vu sur mon pouf qui est en train de se dégonfler et sur mes étendoirs à linge, ce qui est somme toute très très moche. Mais vu que on est en fin de journée, je pourrais carrément me tourner par là et on aurait la luminosité en pleine face et ça serait vachement mieux. Et en vrai, il fait froid ce soir, j'ai froid. J'ai mis mes boucles d'oreilles, les petites pampilles Paris. J'aime tellement ces boucles d'oreilles. J'aime tellement les bijoux des petites pampilles Paris, j'adore. Est-ce qu'on se tournerait pas pour avoir un peu de luminosité directe? Je reviens. Mais voilà que c'est mieux, on est en luminosité directe. C'est vachement mieux. Bon, il y a encore des bruits d'avion, il y a toujours des bruits d'avion, mais c'est pas grave. Je vous disais qu'il caille. Ouais, je me suis mise dehors pour avoir la luminosité, mais il fait pas très chaud. Je sais pas combien il fait, mais je pense qu'on est entre 20, 22 degrés, 24 degrés peut-être. Bon, pas 24, je pense pas. Enfin, c'est pas grave. Personnellement, je préfère... on n'est pas encore à l'été, j'allais dire un été. On n'est pas encore en été, mais je préfère un été comme ça, un peu gris, à genre 24 degrés, qu'un été à 35 degrés. Vraiment, 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 vraiment. Je revenais pour vous dire plusieurs choses. La première, que j'ai oublié de vous dire la dernière fois... attendez, je bouge, mais c'est pénible. Voilà. La première, c'est que... je vous en avais parlé il y a quelques vlogs. Ça y est, j'ai remis pas mal de trucs en vente sur Vinted, si ça vous intéresse. Attention, je vais fermer mon Vinted pendant un bon bout de temps. Je pense du 20 juin jusqu'à
août, parce que fin juin, j'aurai pas le temps de m'occuper des colis Vinted. Juillet, je serai en partie pas là. Et début août, je sais pas trop si j'aurai la tête à m'occuper de ça. Donc, si vous voulez acheter des trucs sur Vinted, c'est maintenant, avant le 20 juin, ou sinon c'est loin. Donc j'ai mis beaucoup de choses en vente, puisque je vous avais dit j'avais tout supprimé, puisque Vinted m'avait tout supprimé. Pour l'instant, j'ai pas du tout remis les sacs encore, je ne sais pas du tout si j'aurai le temps de les remettre avant août. Mais j'ai mis presque tous les vêtements, il me reste quelques petits trucs à mettre. Et il y a beaucoup de tailles, puisque je vous avais dit que j'avais gardé énormément de vêtements dans plein de tailles. Vu que j'ai eu des fluctuations de poids très importantes ces 15 dernières années, vous trouverez des vêtements. Alors il y a aussi quelques vêtements de ma maman qui taille très petite, donc voilà. Vous trouverez des vêtements entre en gros 38-40 jusqu'à 46-48. Donc ne vous dites pas, elle est grosse, ces vêtements ne m'iront pas, vous trouverez peut-être des trucs. Il y a beaucoup de choses, n'hésitez pas à faire des lots, parce que du coup j'ai des réductions qui sont appliquées automatiquement, et si vous me dites que vous venez d'Insta, je vous ferai encore une réduction en plus, enfin d'Insta ou de YouTube, ou de enfin bref, vous avez compris. Je dis Insta parce qu'en fait il y a une notif qui s'est affichée au même moment où je parlais. Voilà, n'hésitez pas, et je vous dis, il faut absolument acheter avant le 20 juin même, hein. Ouais, 20 juin. 22 juin, 23 juin, je sais plus. Je sais pas quand tombe le week-end, mais en gros, le week-end du 23 par la juin, je fermerai mon Vinted pour un grand moment. Voilà. Et sinon, sur le bon coin, j'ai aussi mis de la laine, puisqu'on peut pas mettre de la laine sur Vinted, ils sont pénibles. Il y en a pas énormément, il y en a un petit peu. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Tous les liens sont dans la barre d'infos. Voilà. Autre chose, je voulais vous montrer ma petite réalisation au crochet, parce que elle est particulièrement pertinente dans absolument tous les sujets de la vie de tous les jours. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Bonjour, je m'appelle Edonée. Et je suis la déesse du plaisir. Bah oui, Edonée, c'est la déesse grecque du plaisir. Je suis un petit clitoris au crochet. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est un tuto que je vous mettrai dans la barre de description, qui est gratuit sur Instagram, qui est très bien fait, qui ne s'adresse pas aux débutants. Vraiment, ne le faites pas parce que vous allez galérer. Il y a des parties qui sont un petit peu délicates à faire, mais qui sont très très bien pensées. Mais voilà, pourquoi j'ai fait un clito? Parce que déjà, quand je suis tombée sur le patron, je trouvais ça trop fun. Et surtout, il faut parler du clito. Il faut parler du clito. C'est un organe qui est beaucoup trop invisibilisé, qui est tabou, qui est tout ce que vous voulez depuis des années-lumière. On commence tout juste un peu à s'en sortir. Dans les livres de SVT, pendant un temps, ça y figurait même pas, parce que, mon Dieu, on va surtout pas parler de cet organe. Avec la société patriarcale et sexiste qu'on connaît, bah, forcément, un organe exclusivement féminin, qui n'est pas vital, et qui ne sert à rien pour procréer ou pour procurer du plaisir à l'homme, pourquoi on en parlerait? Ça sert à rien, voyons. Un organe destiné exclusivement à produire du plaisir féminin, ça sert à quoi? Ça sert à rien, voilà. Donc, il est grand temps d'éduquer nos enfants, nos ados, tout le monde, les mecs, putain, à éduquer les mecs sur le fait que ça existe et qu'il n'y a pas que leur pénis qui compte, quoi. Voilà. Donc, je trouve ça fun et je vais le mettre en déco dans ma bibliothèque. Et non, j'ai pas du tout honte d'avoir crocheté ça. Je compte même m'en refaire un plus petit. Là, je l'ai fait en coton déca. Je compte m'en faire un en coton figurine, donc il sera deux fois plus petit, pour faire un porte-clés. Parce que vraiment, c'est important. Non pas que je sois nymphomane ou exhibitionniste ou que sais-je, mais voilà, mon petit côté féministe me dit que c'est très important d'éduquer. Et pour vous dire à quel point je trouve ça important, j'ai déjà raconté cette anecdote, je sais plus où. Quand j'avais une dizaine d'années, j'ai commencé à découvrir mon corps. Oui, j'ai fait ça très tardivement. Clairement, il y a des gamins qui se touchent, ils ont 4 ans. Moi, j'ai commencé à me toucher, à me demander ce que j'avais ici et là. J'en avais 10, voilà. Et je comprenais pas cette partie de mon corps. Et je comprenais pas pourquoi il y avait des trucs qui dépassaient, pourquoi c'était pas tout à l'intérieur. Et j'en suis venue me demander si c'était pas moi qui avais un problème. J'ai l'œil qui pleure. Et s'il fallait pas que je m'inquiète, en fait, est-ce que j'ai un truc, est-ce que ça va pas, est-ce que c'est en train de se casser à cet endroit-là, voilà. Je trouve ça hyper grave. Et c'est clairement pas mes parents que j'en ai parlé. Mes parents déjà, on parlait pas de règles, alors parler de clitoris, pff, voilà. Mais
Mais voilà, du coup je trouve que c'est excessivement important d'en parler et de détabouiser le truc. C'était le petite parenthèse clito, trop mignon. Et la dernière chose que je voulais vous dire, c'était une conversation que j'ai avec ma copine, une conversation très rapide, l'autre jour, et ça m'a fait penser à... Ouais, je voulais vous en parler, ma copine, je sais plus ce que j'ai fait, j'ai posté une story... j'ai posté une story en disant que j'avais fait un masque cheveux. D'ailleurs mes cheveux là, c'est du n'importe quoi. Et elle m'a répondu en m'envoyant une photo d'elle en me disant « Regarde, moi je télétravaille avec mon aîné sur la tête et elle avait son aîné et sa Charlotte et tout. » Je trouve ça trop bien. Et ça m'a rappelé une fois, ça devait être il y a peut-être 1 an, 2 ans. J'avais un masque sur la tête, c'était un dimanche je crois, ou un samedi après-midi. Et mon père m'appelle en visio, ça arrive régulièrement, donc moi je décroche, je me fous d'avoir un masque sur la tête. Et en fait, il était de manière imprévue avec mon oncle et ma tante. Et donc tout le monde m'a vu en fait. Et là, je me rappellerai tout le temps la réaction de mon oncle et ma tante. Mais genre, tu fais quoi? Non mais tu te mets souvent des trucs comme ça sur la tête? Bon, j'exagère, il n'avait pas cette mimique là. Mais l'intention d'incompréhension était la même quoi. Genre mais tu fais quoi? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est un peu chelou cette fille. Voilà pourquoi souvent j'ai envie d'être enfermée dans ma grotte et qu'on me laisse tranquille. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'a priori, il n'y a rien. Et oui, télétravailler et tricoter et posez-vous des masques. Et c'est tellement merveilleux. Et d'ailleurs, on parlait l'autre fois avec... est-ce que je vous ai raconté l'anecdote de Barbara Pravi? Eh bien, j'en ai aucune idée et je pense que... Non. Je pense que oui, peut-être. Si, peut-être, je voulais peut-être raconter. Je sais plus, bon, je vais vous faire un résumé rapide alors, je me rappelle plus. J'ai ma copine du coup, celle qui pose du aîné, qui a été voir en concert Barbara Pravi, et qui a tricoté pendant le concert. Oui, tricoter, on peut le faire sans regarder ce qu'on tricote, si on tricote du jersey en droit au kilomètre, voilà. Et Barbara Pravi l'a vu, puisqu'elle était assise au premier rang, et elle a trouvé ça absolument génial. Elle lui a dit, c'est absolument génial, j'adore que vous tricotiez pendant que je chante. Elle a même fait un reel sur Instagram à propos de ça, enfin voilà, j'ai trouvé sa réaction absolument merveilleuse et on en est venu à discuter avec cette copine là du coup qui fait beaucoup de télétravail depuis le Covid et qui me disait moi je préfère être en télétravail parce que quand je suis en télétravail je peux tricoter pendant les réunions et je peux même tricoter le midi, je peux tricoter machin et elle dit du coup j'ai pas l'impression de perdre mon temps et j'ai pas et je suis plus productif quand je tricote en réunion que quand je ne fais rien parce que de toute façon j'ai besoin de faire quelque chose avec mes mains donc je dessine sur mon cahier et je fais exactement la même chose. Et je trouve ça absolument aberrant que les gens ne comprennent pas que tricoter, par exemple, en réunion, en formation, je ne sais où, ce n'est pas de l'irrespect, ce n'est pas de l'ennui, c'est juste qu'on est, y a des gens qui ont besoin de s'occuper les mains, soit pour être concentrés, soit quand le cerveau n'est pas assez stimulé. Et c'est mon cas. Et ça a toujours été le cas, je veux dire, au lycée, je prenais les cours. Alors pas tous, parce que j'avais des profs qui étaient Speedy Gonzales et c'était pas possible de faire autre chose, mais plusieurs cours, je prenais les cours en écrivant des lettres à mes copines et à la fac aussi, et ça ne m'a pas empêché d'avoir mon bac, d'avoir ma licence, même avec une bonne note ma licence, et de prendre les cours correctement. Et clairement, si c'était maintenant que j'étais à la fac, je pense que j'aurais mon tricot dans les mains tout le temps. Je suis quelqu'un qui a besoin de faire deux choses en même temps, parce que c'est comme ça, et franchement, moi quand je suis en réunion et que je m'ennuie, qu'est-ce que ça fait? Bah, ça fait monter l'anxiété à gogo. Du coup, j'ai le mental qui part et l'anxiété qui monte, 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 qui monte. Et j'ai déjà fini en crise de tachycardie, hein. Clairement. Donc laissez-nous tricoter, s'il vous plaît. Laissez-nous tricoter. Franchement, moi, j'en ai besoin. Et c'est pas parce qu'on tricote qu'on est mal poli, c'est pas parce qu'on tricote qu'on s'ennuie. Ça peut l'être. Hein. On s'ennuie. C'est pas parce qu'on tricote qu'on n'est pas attentif et c'est pas parce qu'on tricote que on n'est pas là avec ce qui se passe en fait, parce que bien sûr, si vous êtes en train de tricoter un panneau de torsade, je doute fort que vous soyez présent à ce qui se passe. Mais si vous êtes en train de tricoter une chaussette en jersey, y a rien à dire, quoi. Je veux dire, l'autre fois, pour preuve qu'on peut regarder sans tricoter, non, tricoter sans regarder, je tricotais sur mon top Bowman, que je teste pour Lucien Tricote, et j'écoutais de la musique. Et j'avais envie d'être pleinement dans la musique, donc j'ai fermé les yeux. Et j'ai tricoté, genre, pendant une demi-heure, les yeux fermés. Les yeux fermés, et ça ne m'a posé aucun problème. Voilà, je suis pour la tolérance du tricot dans les lieux publics, je suis pour la tolérance du tricot partout, tout le temps, sans jugement. Parce que honnêtement, des gens qui sont sur leur téléphone
en formation ou en réunion, il y en a, et c'est vachement plus malpoli que d'être sur son tricot, à mon propre sens. Voilà, c'était le petit côté revendicatif aujourd'hui entre le clito, le tricot. Bon, sur ce, je vais aller prendre ma douche parce qu'après je vais tricoter, et puis vous avez plein de bruits d'avion parce que à ma gauche se situent les pistes du Bourget, et j'ai l'impression que beaucoup d'avions décollent du Bourget aujourd'hui. Voilà, sur ce, je me rentre parce que je me caille, et je vous dis à bientôt.